Rider en BMX freestyle, réalisateur de vidéos sur YouTube et depuis peu créateur de vêtements, Kylian a lancé Cliff, sa marque de fringues. Yep, YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, regardez, on est dans un spot qui est différent. Je change un peu de spot. Je sais que beaucoup me disent, ouais, en ce moment, tu roules beaucoup à ton skatepark local. Et c'est vrai qu'en ce moment, je fais pas mal de vidéos à mon skatepark local. Du coup, je me suis dit, je vais venir un coup ici. Parce qu'ici, il y a un truc qui est super important et dont j'ai besoin pour progresser. C'est un gros airbag. On va y voir après. Mais j'ai besoin de reprendre certaines figures. Après ma blessure, il y a certaines figures que j'ai pas forcément repris. Que là, j'ai besoin de les reprendre. J'ai besoin de m'entraîner un petit peu en airbag et essayer de nouvelles choses. Donc du coup c'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui. Donc il faut savoir qu'il y a déjà une vidéo qui existe, je vous mets une fiche qui est là pour ceux, pour si vous voulez savoir un petit peu à quoi il ressemble globalement le skatepark. Là en gros on va aller sur deux endroits, on va aller faire de l'airbag, donc qui va être le spot principal de la vidéo. Et ensuite on va aller faire un petit coup de jump line, donc c'est la partie que vous allez voir, il y a plein de funbox assez cool. Donc on va voir tout ça dans la vidéo. Pour aujourd'hui je voulais pas m'embêter à prendre quelqu'un avec moi. Je voulais vraiment me focus sur mes tricks et pas avoir à me focus sur un cadreur, etc. Donc du coup j'ai pris une GoPro qui est avec moi. Et puis je vais vous embarquer vraiment en GoPro. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça en plus. Donc ça peut être, en plus de ça, ça peut être vachement immersif et assez sympa. Voilà, je pense que je vous ai tout résumé un petit peu ce qui va se passer dans cette vidéo. Allez, suivez-moi. La jump line de WeRide qui est assez fat. Alors moi je vais galérer parce que ça fait longtemps que je suis pas revenu ici. À l'époque je faisais un backflip sur la dernière, j'aimerais bien en faire un. Ok, c'est parti. Ah, le bon airbag. Là, pour apprendre les tricks, c'est parfait. Je pense qu'on va commencer avec un backflip. Faut que j'en fasse deux maintenant. Putain. Ah ouais, regardez comment j'ai coincé le vélo. Timothée. Ouais. On va aller manger un goûter hein. Donc là on va faire une petite pause, un gros blocage sur le 3-6, j'arrive pas à envoyer mon deuxième bar spin en fait. Et c'est très cher les bar spins, ça crée des blocages comme ça. Et là en l'occurrence c'est ce que ça fait. Donc on va faire une pause, se poser un petit peu, et puis après go. Ça se voit qu'on fait des grosses sessions quand même. Ouais, on s'entraîne dur. Hein. Ouais. On va retourner faire ce 3-6 à la con. Hein. Va falloir aller prendre un autre goûter. Chaque essai un goûter. Wow. Le goûter, ça paye toujours. Wow. Je vous explique un petit peu. Tout à l'heure, j'ai mis double whip, donc j'ai tourné deux fois mon cadre sur la grande. Et là, l'idée, c'est de faire double whip, cette fois-ci, sur la plus petite qui est juste là, afin d'arriver à le maîtriser sur des petites courbes et le faire dans mon skatepark local. Voilà. Wow.
Ok, donc là je suis assez content, je viens de mettre le double whip. Double whip, c'est je fais tourner deux fois mon cadre et ça j'arrivais pas. Donc je suis content, je l'ai mis sur la plus petite. Donc encore une fois, la plus petite se rapproche plus des courbes qu'on a à moi dans mon skatepark local pour que tu puisses le faire sur le dur. L'idée quand tu veux apprendre un trick, c'est de savoir le faire sur des grosses courbes, mais aussi de savoir le faire sur des petites courbes pour que tu puisses le faire un peu partout. Voilà. Du coup là il est bien passé, je vais essayer de le perfectionner et puis voilà, ça, je suis content. Oh merde. Vous avez vu, il y a le pied qui s'est barré lors du double whip. Donc là ça veut dire qu'il n'est pas encore maîtrisé à 100% et qu'il justement il faut que ce soir je puisse en faire 3-4 d'affilée sans qu'il y ait aucun pied qui se barre et sans que j'ai aucune chute, rien. Et là je le maîtriserai vraiment et je pourrai le faire sur le dur. Je m'arrête la vidéo ici, je trouve que cette vidéo elle est méga intéressante parce que ça vous permet de vous de voir un petit peu comment ça se passe l'apprentissage des tricks. Et vous voyez que les gros tricks quand même, il faut les apprendre par nous-mêmes, et pour ça les meilleurs endroits ce sont soit des bacamous, soit des résis ou encore des airbags comme ici. On envoie, au début on chute, mais ensuite on essaie de le travailler à mort, de le routiner, et puis là l'avantage d'ici c'est qu'il y a vraiment deux courbes, il y a une grosse courbe qui envoie bien haut, donc c'est cool, on a le temps de faire le trick. Et après il y a une plus petite courbe, et moi c'est vrai que quand j'apprends des tricks comme aujourd'hui, comme le double whip par exemple, j'essaie vraiment de l'apprendre sur la grande courbe histoire d'avoir le temps de le faire, et après de le faire sur la petite courbe derrière pour le maîtriser par exemple dans mon skatepark local à l'avenir sur le dur. À partir du moment où mes pieds se mettaient mal, je le recommençais, etc. Vous voyez vraiment un peu comment ça se passe l'apprentissage des tricks, et je trouvais ça intéressant de faire cette vidéo et je suis assez content de l'avoir fait. En plus en vue GoPro pour changer, donc j'espère que le rendu est bien. Merci à Jean-Nicolas, je vous mets son Instagram à Jean-Nicolas qui m'a dépanné la GoPro pour pouvoir faire cette vidéo. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un pouce bleu, vous abonner à la chaîne, puis n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Puis moi je vous dis à mercredi prochain 18h pour une nouvelle vidéo. Bon allez.